sûr. Là, on a été un peu en difficulté, mais un peu en difficulté parce que la journée a été très très longue. C'est-à-dire que jouer à 21h, c'est vraiment très tard. On s'est entraîné à 10h, donc ça a été compliqué. Je pense que c'est ça qui est plus compliqué que le fait de rentrer après l'atmosphère. Bon, on oublie tout, quoi, hein, on pense. Alors, il y a des joueurs qui ont été un peu, voilà, on les a vus un peu empruntés, qui ne sont pas encore lâchés, mais ça va venir. Le public, ben, génial, il est là, il est présent. Tu fais un championnat d'Europe. En fait, nous, on a l'impression qu'on est en match amical, en fait, parce que toutes nos préparations, quand on les fait en France, il y a autant de monde. Donc là, on est dans la même ambiance. C'est la première fois, à part pour Edwige, qu'on fait une compétition à la maison. Voilà, c'est du pur bonheur, on peut partager ça avec notre public et ça, c'est génial. Ce qui est bien, c'est qu'on est très suivi. J'ai envie de dire que l'engouement est supérieur. Je pense que l'effet JO est là. L'Euro en 2001, c'était vraiment un des plus gros souvenirs jusqu'au JO parce qu'on avait la France, la famille, tout le monde était derrière nous. Et là, c'est ce qu'on retrouve. Enfin, quand la salle est pleine et qu'on nous encourage comme ça, ou quand il y a une action spectaculaire et que toute la salle se met à crier, enfin, c'est génial, on ne peut pas rêver mieux. Donc, c'est vrai qu'on sent que jouer en France, c'est complètement différent. On ne pouvait pas rêver mieux. Après, c'est vrai que c'est jamais évident d'aborder le premier match d'une compétition, surtout quand on joue le dernier match à 21h, qu'on n'est pas habitué. Mais voilà, une fois encore, on arrive à s'appuyer sur la force de notre équipe, le collectif. Le ballon, il passe de main en main, donc ça fait plaisir.